Oh non, on va travailler de nuit? Quelle bonne idée. Oui? I need help. Someone's outside the mortuary. Ah bon? J'ai rien vu. Tu le vois pas? Ah oui, si, je vois. Ah, il y a une possession. Quoi? Qu'est-ce qui... Ok, Raymond, il est au courant d'une possession, il me fout dans la merde. C'est un livreur Uber qui est devant depuis tout à l'heure. Monsieur, j'ai pas de commande. Bon, en gros, Raymond m'a enfermé, d'accord. Mais pourquoi il m'a enfermé alors qu'il y a une possession dans le truc? C'est un bâtard. Bon ami, merci de mon meilleur ami. Je te souhaite un bon 40e anniversaire. Non, mais c'est... Si j'ai le Minotaure en personne qui m'a souhaité mon anniversaire, ça c'est une véritable fête. Putain, la chance, le Minotaure. Toi tu l'as pas eu, hein. Hey, oh. Oh non, des zombies essaient de rentrer dans ma maison. Non, c'est moi, mais ouvre vite s'il te plaît, ils arrivent. Orf, impossible d'entendre quoi que ce soit avec tout ce raffut. Je ferais mieux de barricader cette porte et de partir à la cave. Allô ? State of Survival est un jeu de stratégie de survie sur le thème zombie, dispo sur mobile et PC. C'est le meilleur jeu pour faire passer le temps pendant la période des fêtes. Ça tombe bien parce qu'avec mamie, on se fait vraiment chier. Qu'est-ce qu'il dit ? Je disais qu'avec toi, on se faisait vraiment chier. Ah, ça c'est bien vrai ! Le jeu offre une expérience post-apo unique avec une grande histoire passionnante. Est-ce que tu as 5 minutes pour que je te l'explique ? Non. Bon, alors c'est un gros malade qui crée une arme mortelle et provoque une catastrophe mondiale, donc là faut tuer les zombies et reconstruire. Ok. Il y a plus de 50 héros dans State of Survival, dont la plupart peuvent être obtenus gratuitement. Chacun a sa propre histoire, sa personnalité et ses compétences. Moi j'aimerais vraiment avoir l'héroïne Cody. Et pourquoi ce choix? Pour des raisons qui ne regardent que moi. Construire une base sûre est la première étape pour se protéger des zombies. Envoie tes troupes collecter des matériaux sur la carte du monde, même quand tu es absent, et construis quand tu reviens. Ah, s'il passe avec ça, bah je comprends pas. Tu peux rejoindre ou former des alliances avec d'autres joueurs. En plus d'accélérer la construction ou encore battre d'autres alliances, tu peux aussi discuter et te faire des amis. Salut, est-ce que tu ressembles à Cozy dans la vraie vie? Clique sur le lien dans la description pour télécharger State of Survival. Et le code bonus, c'est pour les chiens? Avec ce code, tu auras un pack de démarrage avec le héros gratuit Rusty et des tonnes de ressources pour monter en niveau plus rapidement. Putain, la tête de l'emploi, hein. C'est la meuf qui trouve que les morts. Oh, c'est cool. Elle a l'air un peu dark à cause de sa coiffure. Elle fait très trop... 2005. Ouais, elle veut trop aller dans les cimetières et tout. Oh, elle veut lui donner quelque chose. 20 euros. Oui, parce qu'elle lui a dit, mais non, c'est faux, c'est histoire de fantômes et tout. Mais elle lui a quand même donné Jésus. Elle en veut pas, mais elle va le prendre quand même. Prends Jésus, on n'est jamais trop bien accompagné. Changer l'ambiance de ton anniversaire un peu. C'est un peu comme si on avait invité des stripteaseuses et puis après on est passé sur autre chose quoi. Bon, ouais, on va à la morgue maintenant. Joyeux anniversaire Damien, grosse bise et à Noël. Quoi? À Noël? Tu m'as vous fait peur un peu. Rebecca, je viens de terminer avec monsieur Dalton. Faut le pousser, non? Ouah. Oh. Et je emmène monsieur dans son frigo. Et pourquoi faut lui mettre un petit repose-nuque? Il est mort? Alors, attendez, Oswald Dalton, c'est lui. Les pieds d'abord. Zou. Allez. Oh, ça marche comme ça, bah, c'est nickel. Holy, mauvaise troupe. Maintenant, voilà. Faut chanter du fourneau l'autre. Dorothy, comment ça va aujourd'hui, madame Page? Elle ressemble à quoi, Dorothy? Vous avez un joli tatouage, Dorothy. C'est pas un tatouage, on dirait. Oh, c'est pas un tatouage. C'est des plaies. On dirait des ouais. C'est des plaies. Du ketchup. Ah, c'est tout fripé, ça. Oh, bah ça a de l'âge, hein. Écoute, mais ça a survécu longtemps. Allez, Dorothy Page, ça marche, 87 ans. Et malgré bien tout, conservé, honnêtement, pour 87 ans, y a pas de quoi rougir, madame Dorothy. Hein. Si on bah t'as vu, il y a des verrues dégueu là au niveau de l'avant-bras là. On voit que ça a déjà un petit peu pourri. Ah puis là le pâté le vert là c'est dégoûtant. Ah. Hein. Là ils sont fumants, t'as vu? Quand tu cliques dessus ça a fumé. Ouais ça a fumé, c'est... En tout cas c'était une dame qui prenait soin de son corps. Et les fesses, elles vont bien les fesses? Coquin. Regardez quand même parce que... Eh, hey, on n'a pas regardé, on n'a pas fait attention. Conscience professionnelle, on va regarder quand même. Ah, penchez-vous un peu plus. Et imagine qu'elle a une griffure sur la fesse, comment on fait? Comment on fait? Bah oui. Hein? Comment on fait? Alors, pour entrer les informations du cadavre, cliquez sur le record system. T'as vu ce qu'il a dit? Il a dit tu mourras ici, mais avec une voix un peu de démon. Oh, j'ai pas entendu une voix démonique partout. Il a fait... Non, il a pas fait ça. SFR te joue des tours et quand ça arrivera, tu t'en voudras à mort. Oh, il est temps d'embaumer. Eh ben voilà, mon coquin, tu vas être content. Oh, qu'est-ce que tu fais? Je sais tu lui pas. Casses les dents ou la gencive, ça va être horrible. Je sais pas. Ouais, va vous aider, hein. Et si tu relâches d'un coup, y'a pas un genre de... Ah, mais qu'est-ce que... Pourquoi on fait ça? Ah non, c'est... On fait ça au touchant. Mais je suis en train de l'agrafer. T'es en train de... Oui. Ah, tu l'agrafes. Je suis en train de sceller. Ah, mais je suis en train de fermer la mâchoire, c'est bien ça. Et voilà, elle est toute belle maintenant. Et tu vois, c'est dégueulasse pendant qu'on le fait, mais finalement, c'est ouais, quand même à la fin. Ouais, le rendu final, et c'est, voilà. C'est génial. Ok, j'ai que deux slots. Oh. Sometimes we get chemicals that haven't been stored properly.
Toi, t'es bizarre, toi. Ouais, fais gaffe, par contre. Putain, en plus, j'étais en train de me toucher les couilles, il faut plus que je le touche, en fait. Une incision dans la carotide. Ah, c'est le moment que je redoutais. Allez, hop. C'est parti. Allez, on active la pompe. Ah, c'est vachement pratique, cette petite machine. Ah, ah non. C'est normal, non. Ça. Bah ouais, on est en train de lui sucer le... Ah, il y a... tout son sang. Ah, oh, ça me... Oh, il y en a beaucoup quand même. Hein. Oh, j'ai les mains moites. Non, ça va là. C'est pas. Non, je m'attendais va... à plus gore. Non, ça va pas. Ah, c'est bon, il y en a plus. Ok, je me concentre. Sur mon métier. C'est un métier normal. Voilà, hop. Voilà, franchement, c'est nickel. Hein. Oh, après, ça va être sympa. On va lui faire un peu le maquillage. Ah, là, c'est la phase la plus intéressante du métier. On va effacer toutes ces vilaines tâches. Ah non, je. Et ça, je crois que c'est normal quand tu mets la serviette oui, pour enlever les moisissures. C'est, j'avais vu, c'était une réaction normale. Je crois que c'est un truc complètement normal, donc... Ça surprend la première fois. Attends, je suis en train de demander un truc, c'est que vu que c'est mon anniversaire, est-ce que j'ai le droit d'aller chercher du gâteau d'anniversaire? Ce serait pas exceptionnel, quoi, je dirais. Ça me semble pas dingue que t'ailles chercher du gâteau pas, en plein live, quoi. C'est pas adapté. C'est pas, je veux dire, bon, je... je veux bien certains trucs, mais là, ça serait exagéré. C'est un jour spécial, mais tu as quand même cherché des gâteaux tous les mercredis et les dimanches depuis un an. Mais est-ce que je peux aller chercher une part de gâteau d'anniversaire? Bien sûr, et tu peux mettre une bougie dessus. Allez. Je vais manger une galette nature riz sésame. Genre vraiment, j'ai aucun... Ma vie est fade comme cette galette. La mort et la décomposition. Mais elle, en fait, le problème, c'est que sa vie doit pas être super marrante, quoi. Pardon, hein. Il y a quoi, ce bon gâteau? Alors, il y a un framboisier et un gâteau au chocolat. Oh, c'est vrai qu'un seul gâteau, c'est jamais assez. Non, mais c'est deux petites parts, alors qu'en vrai, ça en fait une seule grande. Ouais, vu comme ça, ouais, ouais, c'est vrai, ça. Ah, ah ouais, mais ça, du coup, ça fait pas partie du métier, hein. Ah ouais, mais non, par contre. C'est pour inscrire le nom du après, démon. On connaît pas le métier. C'est vrai, au final. Est-ce qu'on peut vraiment juger un liquide inconnu pour identifier tendance démoniaque? Ok. Alors, qui on prend? Je vais prendre Spencer. Ah, ça fait quand même du bien de temps en temps de travailler avec des jeunes. Hop là. C'est quand même plus agréable à regarder. Alors, qu'est-ce que vous avez? Bah, vous avez pas l'air d'avoir grand-chose. Oh non. Hello? Je ne sais pas où je suis. Le problème c'est que la porte va être fermée, c'est ça? Non mais c'est à cause de la rigidité cadavérique. Si le cadavre a des gaz, il peut se relever. Oh non. Ça me murmure. Il me manipule. C'est j'ai toi plus qui envie... est possédé depuis le ouais, début. En fait j'ai plus envie de partir. Ok, je retourne travailler. J'adore ce travail. J'adore les morts. C'est parti. Spencer, où en étions-nous? Mais comment on fait pour mourir aussi jeune quand on est si beau comme ça? Un beau jeune homme comme ça, bien membré. Quoi? Et ben alors, monsieur, on a une arme de catégorie 3 dans le caleçon. Ah, par contre, l'acné, à cet âge-là, ça ouais, peut l'acné, encore. Franchement, c'est inquiétant. Hein. Ah, il cachait du caca dans de les la mains. Sauce tomate. Bizarre, le mec. Bon, ça, c'est le moins dégueulasse. Hein. C'est génial, ça. Ça oh. En vrai, ça me dégoûte. Oh. Ah, j'arrive. Attendez, on termine deux secondes. Et un petit sourire et on fait plus sourire. Belle bouche. Oui. Ah, c'est là-bas. Oui. Ah, il est probablement parti. Comment oh, j'arrive merde. Vous m'avez fait peur. Oh, y a personne. Oh. Allez, on passe au plus marrant. Les incisions. Ça se trouve, y en a qui en font des incisions, mais tu sais, à des endroits inutiles, juste par plaisir de faire des incisions. Dis pas ça, c'est dégueulasse. Ah, tu te dis pas qu'il y a des mecs qui pourraient être leur bite là? Tu as fini? S'il te plaît. Bah, si j'en avais l'opportunité. Enfin, si certains en avaient l'opportunité, c'est certain qu'ils le feraient. C'est ce que je voulais dire. C'était oh, ouvert c'est... là-bas? On... C'est fermé? C'est ouvert? Ah oui, ici c'était ouvert, ouais. Là par contre, c'est fermé. Ah. On peut sortir par là, c'est déjà bien. Mais du coup, l'autre il m'a enfermé, mais je peux sortir. Bon bah, je m'en vais alors. Bon bah, voilà, pourquoi tu te fais chier? Allez, ras le cul de ce job de merde. Voilà. Je rentre. Et on rentre. Le et contact. Bah, voilà, voilà, voilà. Il s'agirait de partir. J'ai pas fini, mais c'est pas grave. Et bah, finalement, j'ai peut-être pas envie de partir, donc je vais retourner au boulot. Encore un démon qui essaye de rentrer par la force. Qu'est-ce qu'a dit? Il était bien celui-là. Eh, on a beau dire, il était pas mal. Ah, faut aller à la salle de bain. Va sûrement rien m'arriver d'ici à ce que j'arrive à la salle. Qu'est-ce que... Je crois qu'elle essaie de te montrer quelque chose. Une petite photo. Le nombre entier sera 6. D'accord.
Ah, elle est partie. Bah, c'est gentil d'être passé, mais on est fermé, madame. Mais elle était habillée. Oui, elle a eu la décence de se rhabiller, j'apprécie quand même. Allez, oh là là là. Allez. C'est rien, c'est des... il y a des écureuils dans les toitures. Ah, des écureuils. Allez, monsieur Spencer, on reste sage. Le mec qui parle au cadavre. Pas de bêtises, hein. Carlton, comment il va aujourd'hui? Eh ben, c'est un bon monsieur, c'est un bon vivant. C'est un bon bébé, et on y va, on est parti, tous alors, ensemble. Alors. Oh, il a un beau sourire, avec des nibards pareils. Vous devez en faire fondre des hommes, hein. Oh là 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 là. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé, Carlton? Eh ben, il lui est rien arrivé, à part quelques méchants boutons. Oui, ça pue un peu. Voilà, mais après, c'est... Le vermicelle. En tout cas, j'en connais un qui est pas mort d'un arrêt cardiaque à la salle de sport. Je plaisante, hein, monsieur. Oh, faut bien rigoler un peu. Hein. Les journées sont longues. Oh, les méchants gaz. Les corps font souvent des gaz, hein, bien sûr, après. Oui, c'est ça le problème. Alors, après, c'est très drôle, mais honnêtement... Voilà, vous allez arrêter de parler. T'as raison de lui faire fermer sa gueule. Voilà, les morts, ça parle pas. Voilà, essaie de parler avec ça. Voilà, tu voulais dire quoi? Encore un coup. Hop, du smecta, voulu prévenir que guérir. Parce qu'on sait jamais après, hein. Ça marche encore tout ce petit monde à l'intérieur, hein. C'est parce que ça bouge plus dehors que ça bouge plus dedans, hein. Allez, on perdait des couleurs. Ah, c'est du sang qui coule du corps là, monsieur, hein. Tu l'as pas vu? Vu quoi? Il y avait quelqu'un là-dedans. N'importe quoi. Si, 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 il y avait quelqu'un là-dedans. Bah, ouvre l'autre porte alors. Là, je te jure qu'il y avait quelqu'un là-dedans. Clippé, montrez-moi. Il y avait quelqu'un. Il était horrible, je te jure, il était horrible. Il y avait quelqu'un dedans. Concentre-toi. Ah ouais, ouais, ok. La vache. T'as vu la gueule qu'il a? La vache. Oui. Mais c'est effrayant, cette merde. On dirait qu'il a une dent, cet enculé, en plus. Je l'ai pas vu du tout. Et c'est là. Là, j'ai... Je peux regarder? Ah, l'enfoiré, putain. Ah, je suis chez moi. Ah, t'es une genre de craquette, en fait. Je suis pas trop chez moi, c'était un peu différent tout à l'heure. Non, c'est pas chez moi. Bah, alors, c'est chez toi, après la drogue, en fait. Je suis une big craquette, là. Ah. Tu l'as vu celui-là ou pas? Voilà, celui-là je l'ai vu. Allez, je vais manger un petit bout de galette. Donc toi, quand t'as peur, tu manges des galettes? Oui, ça me rassure, c'est très sec. Le mec pendant une fusillade, il s'arrange par terre, il sort des biscuits. Ça fait beaucoup de bruit. Ah, mon kit d'héroïne. Ah bah oui, ce serait dommage de partir sans. Allez, tuto héroïne un peut-être. Un petit fixe avant de partir. Oh waouh, waouh. Ah, le dégât des eaux. Ça, c'est une vraie merde. Ah. Oh non, le dégât des eaux, c'est le voisin. L'héroïne, vraiment. Touchez pas à ça, les enfants, c'est de la saloperie. Ah, je l'ai vu! Alors là, t'as vu sa tête? Il était vraiment dans le coin de la porte. Wouah, j'ai vraiment eu peur, hein, par contre. Bonjour, présente-toi, quel est ton métier? Eh ben salut, moi c'est Mathis. Ça fait maintenant 2 ans que je bosse dans le métier des pompes funèbres. Du coup, est-ce que quand le corps arrive, vous devez faire un inventaire de tout ce qui est sur son corps? Non, on n'a plus le droit à ça maintenant. En fait, il y a tellement de familles qui se plaignent que des fois on y retrouve pas les objets, parce qu'il y a des gros braconniers dans ce métier-là. Et en fait, nous, on n'a plus le droit de prendre les objets personnels de... Des fins, on est obligé de les laisser au... Fais pas attention à moi. Putain, mais il va dégager, ouais, lui. Ouais, t'inquiète, on t'occupe pas, on est en train de faire des trucs. Ouais. Non, je parlais plus d'un inventaire, parce que là, dans le jeu, on doit regarder tout son corps pour noter s'il a des blessures, des trucs en fait, corps. En fait, le truc, c'est que vous êtes les médecins légistes. Et les médecins légistes, en fait, eux, c'est à partir du moment où il y a une enquête. C'est pour ça que vous êtes obligé de repérer toutes les blessures, c'est que s'il y a une enquête, c'est qu'il y a forcément une cause de décès pas normale. Et est-ce que des fois, dans les... Alors, comment on appelle ces espèces de frigos Des cases réfrigérées. Et bah, tu vois, là, il y a une case réfrigérée où il y a quelqu'un... Enfin, il y a un bruit qui fait boum boum boum. Je suppose que ça n'arrive jamais. Non. D'accord, c'est bah je vais aller voir. C'est arrivé. Et en fait, le problème c'est que j'ai pas de lampe. C'est marrant ça. Ça se décompose en combien de temps un cadavre? Ah non, ouais, ça j'ai une question. J'ai une vieille dame qui habite chez moi et je me suis dit, admettons, voilà, t'as compris. En combien de jours ça va commencer à dire, oula, ça pue dans l'appart? En fait, ça dépend. En fait, c'est chaque personne a une rapidité de décomposition propre à elle-même en fait. Ok. C'est un truc qui est hyper compliqué, c'est selon la composition de chaque personne. Ah, alors, attends, on a un petit saucisse, je sais pas si tu peux voir sur le live actuellement, mais il y a un truc qui se rapproche. Je pense que la prochaine fois que tu vas aller au taf, t'auras quelques idées parasites. Ouais. Et du coup, ça, c'est jamais un truc qui est... T'as jamais eu d'idée un peu flippante, tu sais, t'es seul au taf, en bas, avec le cadre...
Et je disais, t'as jamais eu de, ouais, un souci genre où tu étais un peu peur. Non, parce que bah mon père lui, ça fait 20 ans qu'il bosse là-dedans, donc ouais. Des trucs sordides j'en ai entendu. Mais t'as grandi avec. Ça veut dire que par exemple, tu pourrais tout à fait être tout seul avec un cadavre dans une pièce sombre, dans un bâtiment entier, seul, ça te dérangerait pas, genre pas peur, rien. Tu viens d'expliquer mon quotidien là. C'est en fait, c'est l'habitude en fait. Ça arrive jamais hein, de voir l'esprit du mec mort, hein, ça n'arrive jamais. Hein. Ouais, c'est ce que alors, j'imagine, vous demandez, j'espère bien. S'imagine que... J'espère bien. Oui, ok, question. Attention, tu dois être sincère, évidemment. Oui. T'es pas là pour raconter n'importe quoi. Eh, avec les cadavres, des fois, on s'amuse pas à faire des trucs quand même. Non, parce que quand tu t'imagines que ça pourrait être ton grand-père ou ton père ou ta soeur ou. Et tu crois peut-être que les étudiants en médecine qui coupent des mains et qui les foutent dans les trousses de leurs potes, ils sont en train de se dire ça. Ouais, mais eux, ils ont déjà un problème mental à la base. Ouais, c'est vrai. Et par contre, on pourra pas vous la montrer là parce que c'est. Je suis désolé, il y a ma grand-mère à la fenêtre. Oui, bah ouvre-lui et il pleut. Putain, bah, en tout cas, pas moi c'est la pute. Bon, merci beaucoup Mathis. Merci Mathis, c'est hyper intéressant. Ah, attends, il y a mamie. Non, mamie. Ah, mamie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va venir d'un coup vers moi, j'en ai marre. C'est horrible ce jeu. Il a l'air vachement sympa ce jeu. Et je viens de voir juste un truc sur l'embauche que tu viens de faire. Ouais. En général, les tétanopracteurs font une incision au niveau du thorax. C'est là où du coup ça peut diffuser le plus vite. Bah là on l'a remis d'aplomb visiblement avec ce qu'on a fait. Bah honnêtement j'ai tellement bien fait l'embaumement. Là le gars s'est dit bah je me sens vraiment bien, je crois que je vais y aller. Mais là le problème c'est que la famille comme tu disais va pas être contente parce que le gars est parti en fait. Et comment on va justifier ça auprès de la famille? Pourquoi tout le monde dit allô? Quelqu'un a rejoint là? Allô? Damn Terracide, j'espère que tu vas bien. Si tu te souhaites un très joyeux anniversaire énorme et sec, prends soin de toi. T'inquiète pas, pour toi la vidéo est offerte, elle est gratuite, c'est ton anniversaire. Alors profite de ta journée. Et le meilleur Terracide, boum. Ah il était trop content Thibaut, putain. Yes. Il avait l'air trop content. Ah ils m'ont fait la vidéo. Ils ont été dérangés Thibaut à cette heure là. Damn, merci Thibaut. La vidéo est offerte. Incroyable, la vidéo offerte. Ça c'est... Qui peut se vanter d'avoir la vidéo offerte par Thibaut? J'attends ce jour depuis un empire. Allez, on reprend le boulot. Il était derrière mon... J'ai vu le nuage de fumée. Là, il y avait le grand monsieur noir. Mais il s'est mis derrière mon carnet du coup. Mais je l'ai vu hein. Comment ça m'emmerdait les démons là hein. Ça va. Bah, on voudrait taffer quoi. Bah c'est à dire que moi je fais... On sera jamais rentré quoi. Je ne fais que mon métier quoi, donc le grand monsieur quoi. Excusez-moi mais il était noir. Pourquoi excusez-moi? Parce que le chat m'emmerde à me dire il était comment. Il était noir. Voilà, il était... voilà, c'est pas un gros mot, hein, il était noir. Écoutez, vous êtes ridicule. C'est pas un métier pour femmelette, ça, en tout cas. Bon, putain, je peux te dire, Mathis, il a des énormes couilles. Les couilles en acier qu'il a. Faut se les taper, les démons, quand il est 23h. Hein. Bah, ça fait plaisir. Ah. Ça, c'est vraiment paranormal. Je vais... Je quitte mon corps. Je retourne bosser. Je retourne travailler. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis possédé. Je quitte mon corps. Alors, c'est ça, la possession. Eh, hey, c'est quoi ça au mur? Eh, hey, dis donc. Il y avait pas ça tout à l'heure. Tété. Ouais, c'est celui-là. Il y en a un autre? Faut en trouver quatre? Montre-toi. On se rapproche. Démon. Oh, démon. Un L. L. Encore. Ah. Je vous ai rangé, partez. Monsieur, vous dormez hein. Il faut aller se recoucher là. Ah bah tu m'étonnes que le papier il crame. Ah bah tu m'étonnes. Non. Écoutez, vous allez me dire votre... votre nom. C'est sympa la musique mais... Ouais. Je n'ai pas de radio. Un papier encore. Eh, doucement la musique. Eh, non. Vous avez... Non. Quoi? Je me mets en PLS, qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur. Laisse-moi. Ah il est là. Ah ouais. Alors... bah ouais forcément. Ah l'enfoiré il est... Faut de la lumière. Ah l'enfoiré. Le TT. C'est bon? On valide? Comment on valide? Le fils de pute. Qu'est-ce que c'est? Le fils de pute. Démon, donne-moi ton nom. Arrière démon. Je suis perdu là. Brûle un corps. Mais vous êtes malade ou quoi? Ah moi je veux bien hein. D'ailleurs c'est Spencer qui m'emmerde depuis tout à l'heure. Mais attends, mais la famille... Oh bah je lui expliquerai à la famille. Attends, t'as vu les circonstances? Il fallait faire un sacrifice, voilà. On a le droit de cramer des gens comme ça sans demander? Allez Spencer, vous aviez qu'à pas vous lever, voilà. Bah essayez de vous lever après ça, voilà. Ah bah voilà, ça... ça cuit. Ah ça fait chier hein. T'as laissé le gaz ouvert? C'est un peu violent ce qui est arrivé là. Oh là, non. Ah non, m'attrape pas les pieds. Non, pas mon pied.
Les journées de boulot sont interminables. C'est dur. Hein. Moralement, c'est dur. Les gens se rendent pas compte. Hein. Et donc, je vais finir par kiffer ça, c'est ça? Je vais être binôme avec Raymond. Tu vas devenir Buffy, chasseuse de vampires. Ah ouais. Mais elle est bizarre. Hein. T'arrives un truc comme ça, déjà tu vas en HP et genre tu dis pas que ça va. Oh Raymond, je vais te bouffer. Qu'est-ce que t'as fait à ma voiture? La bagnole c'est sacré. Alors Raymond, la merde. Oh, on a fait une boule de Raymond. Il est tout compact le Raymond. Feel good.